partie, ça c'est Martine Querelle. C'est une Française qui a fait des études de pharmacologie. Et en 1984, elle a fait une thèse où elle a testé des plantes avec une utilité pharmacologique comme la menthe et datura, où elle a appliqué l'électroculture. Elle a remarqué que les plantes étaient plus grandes, il y avait plus de matière sèche, par exemple sur la menthe, plus 20%, datura plus 30%. Donc c'était plus grande, mais aussi plus concentré, plus de matière sèche. Et en huile essentielle aussi, la concentration était plus élevée, il y avait plus 27% chez la menthe, chez datura plus 57%. Donc ça, c'était avec cette technique-là. On fait un grillage, comme un grillage à poule ou un grillage à lapin, en fil de fer galvanisé, ou en fer tout court. Et après, on met une antenne au milieu, qui est assez haute. Hein. Il vaut mieux faire 2, 3, 4, 5 mètres de haut, même plus haut, avec des pointes. Et toutes les plantes, entre le grillage et l'antenne, ils vont pousser beaucoup mieux. Ah, presque toutes les plantes. Elle a fait ça avec ça. Et ça, ça montre aussi que il y a le préjugé souvent en bio que c'est normal que les plantes soient plus petites, ils soient plus concentrées. Et on pense que quand c'est plus grand, c'est forcément moins bon ou c'est parce qu'il y a trop d'azote. Oui, ça c'est le phénomène de l'azote, mais une plante plus grande n'est pas forcément moins bonne. Quand on applique l'électroculture, la plante est plus grande en général, mais elle est aussi plus concentrée, la plus de matière sèche. Vous voyez, c'est tout à fait différent qu'avec les engrais classiques. Hein. Ça n'a rien à voir. Après, ce qu'on remarque aussi, souvent les gens ils disent, une remarque que je reçois, « Ah, mais si les plantes, si ça pousse mieux, d'année en année, ça va épuiser le sol. » Et ça va épuiser le sol, à la grande peur. Mais ça, c'est parce qu'on a une vision mécanique, matérialiste. Alors, on pense que la plante, elle va manger là, les nutriments. Après, c'est pourquoi, ça. Mais si c'était vrai, je veux dire, après quelques années de culture, il devrait avoir un trou dans le champ. Hein, ou après des centaines d'années, et toutes les routes devraient être en surélevé. Je fais un peu caricature, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on remarque, c'est quand on fait cette technique d'électroculture, la qualité, les récoltes, ça fait qu'augmenter et d'améliorer. Il n'y a pas un phénomène où ça diminue. Ça, c'est des recherches au CNRS dans les années 20-30, vous voyez, où ils faisaient avec l'électricité artificielle. Et pourquoi les officiels, ils ont fait beaucoup de recherches avec l'électricité artificielle? Parce que la logique, c'est comme aujourd'hui, c'est après créer de la consommation, du consommable, et alors ils pensaient, on va vendre de l'électricité aux agriculteurs. Mais avec l'électricité, ça marchait souvent beaucoup moins bien, et donc du coup, ça a été abandonné. Les engrais chimiques, tout ça, ça rapportait plus que de vendre de l'électricité. Hein? Mais les techniques passives, ça a été quasiment jamais ou très peu expérimenté par tout ce qui est institut officiel et des choses comme ça. Ça, c'est une recherche qui a été faite en 2012 en Belgique. Et ça, c'est sur une serre hors sol de tomates. Et l'intéressante expérience, ils ont mis deux électrodes en carbone. Maintenant, ils auraient pu mettre en fer ou un fil de cuivre ou de zinc ou n'importe quoi, ça aurait fait l'affaire, je pense aussi. Mais voilà, ils ont choisi le carbone parce que c'est le plus cher. Et probablement, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'à la fin, ils concluent que la technique n'est pas vraiment réaliste ou utilisable parce que les électrodes. Parce que c'est trop coûteux, ouais. Il suffit de faire moins coûteux. Hein. Ah. Mais donc ils mettent juste 1 volt entre le dessus et le bas. Et donc c'est la zone racinaire, c'est de la roche, de la laine de roche hein, qu'ils utilisent. C'est au sol là, très industriel. Ils mettent juste 1 volt et très peu d'ampères, hein, très peu. Hein. C'est juste un champ électrique. Hein. Et ils consomment, je pense, pour un hectare, ils consomment peut-être 70 euros d'électricité à l'année ou quelque chose. Ça a vraiment très peu d'électricité.
Et ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est ça. C'est que quand ils mettent 50% de la dose d'engrais qu'ils mettent habituellement et qu'ils mettent le 1 volt, ils ont le même résultat que s'ils mettaient 100% d'engrais. Oui. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est quand ils mettent 100% d'engrais et qu'ils mettent le 1 volt, là, ils ne voient pas de différence. Oui. Donc ça, c'est intéressant parce que ça se confirme sur le terrain aussi. Quand par exemple un agriculteur qui met beaucoup d'engrais, il a ses résultats, sa quantité de récolte et tout ça. Ben, quand il fait de l'électroculture, ou certaines techniques que je mets en place par exemple, ben, il y a parfois on ne voit pas beaucoup de résultats. Mais chez un bio qui met presque rien, ben, là on voit tout de suite beaucoup de résultats. Vous voyez? Donc, et je pense que si disons qu'avec l'électroculture, ça permet comme ça indirectement de quasiment plus utiliser d'engrais pour arriver presque au même résultat en quantité qu'en conventionnel avec leurs produits chimiques. Vous voyez? Mais si on fait déjà plein d'engrais, ben là les résultats seront moins grands ou nuls. Ça dépend des techniques. Hein. Parce que les engrais aussi, en soi, certains engrais, c'est des molécules et ça fonctionne. C'est comme des antennes hein, aussi. Hein, ça va aussi émettre des vibrations, mais temporairement. C'est un peu comme si vous avez un abonnement sur l'antenne. Vous voyez, comme si vous payez. Voilà, si vous ne payez pas votre abonnement télécommunication, ça se coupe. Voilà. Là, pareil, les engrais, une fois que c'est transformé, c'est une autre molécule. Ça fait que polluer le sol, on va dire, mais ça n'agit plus. Comme on le veut. Voilà, donc ça c'est les antennes type paratonnerre. Oui, donc comment ça fonctionne, ce système paratonnerre? Donc ça c'est par l'effet de pointe. Donc l'effet de pointe, c'est quoi? C'est que les électrons, négatif. Alors, on va dire que la Terre elle est chargée négativement électriquement. Elle est chargée en électrons. C'est un réservoir à électrons. Et l'atmosphère est chargée positivement. C'est un peu comme le pôle négatif et positif. Et les plantes, ils vont toujours pousser du négatif vers le positif. Et les racines, ils vont toujours pousser vers le négatif. Ça, on voit aussi avec. Ici, quand ils mettaient le pôle négatif là, les racines poussaient vers le pôle négatif. Quand ils mettaient le pôle négatif là, les racines poussaient vers le négatif. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça explique beaucoup de choses dans l'agriculture aussi actuellement, où il y a beaucoup de champs. Où, hein, Claude Bourguignon, il montre ça par exemple chez un viticulteur où les racines poussent vers la surface. C'est pas normal, ils devraient pousser vers, vous voyez, c'est aussi une question électrique, c'est pas juste à cause de données chimiques, etc. C'est aussi électrique. Donc les racines, ils poussent vers le négatif. L'effet de pointe, c'est quoi? C'est que les électrons, on va dire c'est ultra léger, ils circulent librement dans le conducteur, et aux pointes, c'est un peu comme s'ils sont au bord d'une falaise, hop, un petit coup de vent, ils sont partis. Et donc, les électrons, là, ils vont s'échapper des pointes et ça va laisser un pôle positif, là, on va dire. Donc, mais ici, c'est négatif, là, c'est positif parce que les électrons, ici, ils s'échappent. Ça crée un vide d'électrons qui va aspirer continuellement des électrons du sol. Toutes les plantes fonctionnent comme ça aussi. Une plante est aussi une antenne. Toutes les plantes, ils ont des trichomes, des poils comme ça, ou les feuilles en pointe. Par exemple, un sapin, c'est toutes des pointes, un cactus, c'est des pointes, mais les feuilles aussi, ils ont toutes des pointes. Ben, tout ça, ça émet des électrons, et ça crée un courant continu d'électrons. Et on dit que dans les forêts, c'est riche en ions négatifs. Ben, c'est ça, c'est comme il y a beaucoup de plantes, c'est très riche en ions négatifs, en électrons. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que la Terre se décharge continuellement et après il y a l'orage. Ouais. Et ça sert à recharger la Terre.
Ça, c'est, il y a des phénomènes électriques qui se passent dans l'atmosphère qui vont décharger des paquets de charges négatives de nouveau au sol. Et c'est un cycle perpétuel comme ça. Mais si vous coupez les plantes ou les antennes, tout est coupé. Hein, vous voyez. Hein, après, il ne pleut plus, etc. Parce que l'eau, elle suit le même cycle. Donc ça, c'est l'effet de pointe, on appelle ça. Et après, l'eau, effet de pointe. Donc la relation avec l'eau, c'est que l'eau, il y a le phénomène de électro-osmose. C'est quoi? C'est que l'eau va suivre le mouvement des électrons. Donc, on pense que l'eau électricité ne fait pas bon ménage, mais ce n'est pas vrai. Et on pense que l'électricité suit l'eau. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est l'eau qui suit l'électricité. Et ce qui va se passer, c'est que là, l'électro-osmose, c'est quoi? C'est que les molécules d'eau, H2O, ils vont suivre le mouvement des électrons, hein, et donc ils vont comme ça monter dans la plante, vers la serre. C'est par un phénomène d'électro-osmose, en grande partie, c'est capillarité et électro-osmose. Par exemple, un cactus, il n'a pas de feuilles pour ne pas trop évaporer, mais il a des aiguilles. Ouais. Les aiguilles, ce n'est pas forcément pour protéger. Hein. Ça, c'est le côté mécanique, on pense toujours à son matérialisme mécanique, mais c'est pour faire l'effet de pointe. Ouais. Si on lui coupe ses aiguilles, il ne va pas être bien, le cactus. Hein. S'il a l'habitude d'avoir beaucoup d'aiguilles. Par exemple, la sève d'un sapin est très visqueux, très résineux. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de pointes, il y a une certaine logique dans la nature, au plus il y a de pointes, au plus la sève va être liquide. Va être résineux. Parce que sinon, ça sortirait par le phénomène d'électro-osmose, il pomperait trop d'eau, encore plus d'eau. Ouais. Et quand il y a moins de pointes, souvent la sève est plus liquide. C'est un peu une règle, pas générale, mais qui est assez qu'on retrouve souvent. Et ça, c'est décrit dans le livre, je ne l'ai pas là, de Matteo Tavera. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Mission Sacrée. Et Matteo Tavera, il mérite d'être connu parce que c'est un des fondateurs du mouvement Nature et Progrès, un peu le début de l'agriculture bio en France. Et lui, il avait écrit un livre, il a observé la nature par les phénomènes électriques et électromagnétiques. Et il a écrit ce livre. C'est très poétique, mais aussi très intéressant, parce qu'il parle de l'effet de pointe, l'électro-osmose, il parle de tout ça. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ce schéma, je vais encore vous expliquer une notion très importante, c'est que l'ionosphère comme on a vu, les éclairs, là, ça fait les ondes Schumann, 7,83 Hz, et plein d'harmoniques, hein, c'est pas que cette fréquence, c'est plein de fréquences arrêtées, mais qui sont très importantes aussi pour les plantes. Et une plante, par exemple un arbre, il y a une étude, il paraît comme ça, de l'INRA, où ils avaient observé que un hectare, c'est connu dans la permaculture, un hectare de blé avec un arbre dedans, ça donne plus de récoltes qu'un hectare sans l'arbre. Hein? Parce qu'il y a, après ils ont plein d'hypothèses pourquoi, mais une des raisons, c'est que l'arbre en réalité c'est une antenne aussi. Ça va stimuler tous ces phénomènes électriques. Mais ce que ça va aussi faire, ça va faire, moi j'appelle ça l'effet parapluie. C'est quoi? C'est ça, c'est que l'ionosphère, il est environ à 300 000 volts. Donc il est à 1 km, 2, 3 km de haut, 300 000 volts. Et la surface du sol, il est à 0 volt. Ça fait par mètre, ça fait environ 100 volts, hein, entre 100 et 300 volts. Hein, on va dire 100 volts. C'est un schéma. Donc si vous avez une plante, on nous dit que la plante, elle va pousser une certaine hauteur parce que c'est génétique, etc. Ou parce qu'il y a plus ou moins de lumière. C'est vrai aussi.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'électricité. Par exemple, en montagne, ça fera peut-être 100 volts sur 30 cm. Dans la plaine, c'est 100 volts sur 1 mètre. Et les plantes, ils vont aussi pousser jusqu'à une certaine hauteur parce que ça correspond à leur voltage qu'ils ont besoin. Ouais. Et les oiseaux aussi, ils vont voler, pas à une certaine altitude, ils vont voler à un certain voltage. C'est pour ça qu'avant un orage ou après un orage, ils volent à une autre hauteur parce que ça correspond, parce que le voltage est différent. Mais c'est toutes des choses invisibles, mais quand on ne le sait pas, on ne sait pas. Et quand on le sait, ça change tout, on peut voir la nature complètement différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on a l'effet de pointe, les lignes de voltage, ça fait comme ça, vous voyez. Donc ça va faire effet parapluie. Et souvent, imaginons, ça Éric Pétiot l'explique bien, parce que lui, avec ses recherches sur les huiles essentielles et la bioélectronique de Vincent, il connaît très bien, ça rejoint un peu ça. C'est que je ne sais même pas si Éric Pétiot connaît ça, peut-être pas, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a, c'est que quand, imaginons, vous avez une plante là. Voilà, fleurs, des feuilles. La même plante ici. Ici, ça fleure, et par exemple, entre 100 et 200 volts, à 1,5 m. Que là, il est toujours dans la zone en dessous de 100 volts. Et souvent, quand il y a des maladies, c'est que les plantes sont survoltées, on dit. C'est qu'ils sont plus oxydés, sont survoltés, sont dans une zone de survoltage, hein, donc il n'y a pas assez d'électrons. On va dire que l'arbre, il va protéger les plantes qui sont en dessous de maladies, seront plus résistants purement électriquement, parce que les champignons, bactéries, certains insectes, ils aiment bien vivre dans entre 100 et 200 volts, par exemple. Si c'est en dessous, ils y vont pas, ça ne les intéresse pas, c'est pas leur milieu de vie. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut expliquer un cas, c'est un maraîcher dans le sud de la France qui cultive des pommes de terre et des tomates en dessous des arbres. Quand il s'est installé, il a trouvé un terrain où il y a des peupliers et il cultive des plantes pommes de terre. Et alors on nous dit, si on va cultiver en dessous des arbres, c'est plus humide, on a plus de risques de mildiou, de maladies fongiques, etc. Et lui, il remarque exactement le contraire, c'est qu'il a beaucoup moins de maladies. Ça, on peut expliquer en partie par ce phénomène-là. Et ça, c'est intéressant parce que si vous avez un champ et vous mettez des plantes qui sont plus hautes, ça fait effet antenne et ça protège, on va dire, électriquement les plantes. Il y aura moins de maladies parce que c'est moins leur milieu. Ce qu'ils ont remarqué dans l'histoire, c'est qu'au début, ils plantaient juste des antennes comme ça dans les champs. Et après, ils ont enterré des fils de fer. Donc là, ça doit être du fil de fer ou du fil de fer galvanisé. Ça ne fonctionne pas avec du cuivre, là. Ils ont mis des fils de fer et ça pouvait étendre l'effet de l'antenne. Mais après, ils ont remarqué que quand le fil va vers le nord, on pouvait étendre l'effet de l'antenne vers le nord sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Donc après, il suffisait de mettre, si maintenant ça c'est le champ, il suffisait de mettre une antenne du côté sud et après tout des fils qui vont vers le nord. Oui. Il n'y avait plus besoin de mettre plein d'antennes. Et un jour, j'ai transplanté un petit arbre comme ça. J'ai transplanté, j'ai regardé les racines et j'ai vu qu'il y avait une grosse racine qui allait vraiment vers le nord. Donc on retrouve ça aussi dans la nature. C'est que souvent, il y a une plus grosse racine qui va vraiment presque tout droit vers le nord quand on transplante des arbres. Et je pense que c'est très important, si jamais on transplante des arbres, de respecter ça, de remettre la racine bien vers le nord. Et souvent, l'arbre pousse mieux. Ça, c'est un livre de Justin Christoffelot. Et vous voyez, au début du siècle, il y avait déjà les problèmes qu'on a aujourd'hui. Hein. Il met suppression des nitrates et autres engrais chimiques. Vous voyez, ça, c'est un document des années 20-30. Voyez. C'est pas d'aujourd'hui, hein, le problème. Donc, Justin Christoffelot, voilà. Justin Christoffelot, il faisait des antennes comme ça. Et vous voyez, il faisait très haut, il mettait à 6,25 m de hauteur, vous voyez. Et il soignait des arbres comme ça, simplement en mettant, en reliant le fil
aux racines, par exemple. Hein, vous voyez. Parce que vous pouvez aussi utiliser un tuteur en bois et utiliser juste un fil de fer galvanisé. Hein. C'est possible. Hein. Vous pouvez faire ça aussi pour faire vos orteils. Maintenant, si vous mettez l'antenne, par exemple, directement dans l'arbre, ça, c'est pas bon. Hein. L'arbre va aller moins bien parce qu'alors, vous allez faire court-circuit. Vous voyez? Parce que c'est, l'arbre a besoin de faire l'effet antenne, vous voyez, pour que ces énergies circulent en lui. Et si vous faites, vous, une antenne reliée avec un fil, ben, ça va circuler dans l'antenne, ça fait court-circuit, et là, l'arbre, il peut mourir, hein, il peut aller, en tout cas, beaucoup moins bien. Si on attache des choses à des plantes, entre elles, parfois, ça nuit aux plantes aussi, parce que ça fait comme des court-circuits, on va dire. C'est pas bon. Ça, c'est une publicité des années 30 en Nouvelle-Zélande où il dit, voilà, plus 350% plus de récolte de rhubarbe avec sa technique. Ça, c'est une photo de lui en Chine. Et ça, c'est un fertilisateur électromagnétique qu'il a développé après. Et là, il n'y a plus l'antenne atmosphérique, on va dire, mais là, il enterre complètement son antenne dans la terre. Donc ça, c'est un gros avantage. Et ça, c'est fait, c'est une grosse pièce de fonte avec du zinc et du cuivre. Et il enterre complètement dans la terre. Donc c'est un avantage dans le sens qu'il n'y a plus des antennes à poser dans les champs. Donc ça, c'est une progression, une évolution dans les années, environ les années 30, on pense. Vous voyez, ça, c'est encore une photo de lui avec des grands choux, des vieux poiriers qui redonnent plein de fruits. Ça, c'est un ami... Michael Wust en Allemagne, mais il est maintenant décédé, malheureusement. Et donc lui, il faisait aussi des expériences d'électroculture en Allemagne. Et regardez ce qu'il a fait. Ça, c'est des plantes pommes de terre dans des copeaux de bois, là aussi. Et là, la seule différence, c'est que là, il a mis un gros fil de fer galvanisé, mais 5 mm d'épais. Et l'idée est venue, c'est que ils ont remarqué en Allemagne, dans les années aussi, au début du siècle, que quand ils posaient les chemins de fer, donc ils utilisaient déjà aussi des herbicides, ben quand les chemins de fer étaient bien placés nord-sud, ils devaient utiliser beaucoup plus de désherbants que quand les chemins de fer étaient dans d'autres directions. Et alors de là est venue l'idée de mettre des bouts de fer nord-sud, et il a fait ça, et vous voyez la différence. Parce que comme j'ai dit, le fer, tout de suite, il va se magnétiser selon le champ magnétique terrestre et les plantes, ils ont tendance à pousser mieux autour et dessus. Ça, c'est ce que moi, j'ai développé après. C'est un fil de fer galvanisé. Et après, je relie un aimant cylindrique que j'ai enrobé de cire d'abeille. Et comme il est creux, c'est comme un anneau, hein, on peut glisser le fil dedans. C'est tout simple comme ça. Et ça, vous pouvez mettre posé sur le sol ou enterrer bien nord-sud avec le fil qui va vers le nord, nord géographique, hein, ou le sud magnétique, hein, en termes magnétiques, mais pour faire simple, on va dire vers le nord. Et l'aimant aussi, vous voyez, j'indique avec une pastille rouge, parce que la pastille rouge, ça veut dire nord magnétique. On met nord magnétique direction le sud magnétique. Donc le nord géographique, et comme ça c'est dans... Ouais, ça perturbe parce que c'est un peu... Au début, on s'embrouille très très vite, hein. Mais maintenant moi j'ai tellement l'habitude que c'est facile pour moi, mais au début on s'embrouille, il faut faire attention, parce que si on le met dans l'autre sens, contraire au champ magnétique naturel terrestre, alors ça ne fonctionne pas, hein. Ou ça peut même faire des effets négatifs, hein. Mais si on le met dans le bon sens, alors on a des bons résultats, hein. Et alors ça rayonne, les plantes sur le fil, ils poussent nettement mieux, regardez. Ça c'est, j'avais fait 2 000 parcelles pour comparer, et j'ai acheté des plants d'aubergine dans le commerce, j'ai planté, regardez la différence où j'ai mis le fil et là où j'ai pas mis. Donc ils sont nettement plus grands, ils ont beaucoup plus vite repris. Les pommes de terre pareil, où j'ai mis le fil et là où j'ai pas mis. Voilà. Donc ça c'est avec cette technique là. Et ça, c'est, ça on peut faire. J'ai développé une machine où vous pouvez modifier une soussouleuse, par exemple, et vous pouvez
Dans l'agriculture, j'ai déjà fait des hectares où on enterre des fils, on déroule avec une dent dans le sol un fil sur toute la longueur du champ, par exemple. Ce n'est pas adapté si on laboure, parce qu'il ne faut pas le mettre trop profond. Si on le met trop profond, ça ne fonctionne pas non plus. Allez, je n'ai pas eu des résultats quand on l'a mis trop profond. Sur un champ, on mettrait tous les 2 mètres, par exemple. Mais sur un, même 1,5 mètre. Mais dans un jardin, on peut en mettre plus. Hein. Au plus on en met, au mieux, ah, presque au mieux c'est, on peut mettre tous les 0,5 mètres ou tous les mètres. À côté, si on met 1 mètre à côté, il y a déjà, j'ai remarqué, sur des plants de pommes de terre, il y a déjà 30% moins de récolte à 1 mètre à côté. Hein. Si c'est 2 mètres à côté, il y a peut-être encore moins, je n'ai pas comparé. Mais déjà à 1 mètre, il y a déjà 30% moins de récolte. Mais si on met plusieurs fils, le champ, on va dire énergétique, a tendance à s'homogénéiser et alors on voit moins les différences entre à côté et sur le fil. Mais en général, sur le fil, c'est nettement mieux. Par exemple, si on fait une butte en permaculture, ben on peut carrément mettre un fil comme ça dans la butte. Hein, et ça fonctionne très bien. Un peu. Ça peut faire des kilomètres. Ouais. C'est pas la puissance qui compte, hein. C'est vraiment, c'est très subtil. On comprend pas tout, hein. Mais ça marche. Oui, sans aimant, ça marche aussi déjà. Mais l'aimant, il va accélérer, on va dire, le processus de magnétisation du fer. Hein? Et après, j'ai un peu optimisé, j'ai amélioré des choses, hein. Et là, le fer, on peut utiliser des fils moins épais. Que mon ami Michael, il avait utilisé 5 mm d'épais, vous voyez. C'est beaucoup plus massif, c'est pas faisable, pas pratique alors. Et que comme ça, c'est assez pratique. Ensuite, dans la démarche, on va dire, d'améliorer les techniques pour qu'ils soient pratiques, utilisables par le plus grand nombre. Hein. Que sinon, certaines techniques, si on fait des techniques qui ne sont pas pratiques, c'est beau, mais ça ne sert à rien, dans le sens que ce ne sera pas utile au grand nombre, et alors on n'aura pas aidé beaucoup. Disons, ça c'est technique, j'ai développé après ça, parce qu'un jour, donc chez un maraîcher, je voulais faire l'électroculture, mais on n'avait pas encore de machine pour mettre les fils. Hein, et j'avais appris cette technique dans les recherches de Justin Christoffleau, hein, où lui, il enterre des fils nord-sud qui relient à ses antennes. Et je voulais faire ça, mais ce n'était plus possible. Et alors, j'ai inventé un autre système. C'était un test qui a très bien marché. Et c'est ça que j'ai fait chez Jean Becker aussi. C'est au lieu de mettre un fil très long, j'ai mis, un copain m'a un jour dit, voilà, pourquoi tu ne mettrais pas, en réfléchissant comme ça, en discutant, l'idée est venue, pourquoi on ne mettrait pas plus d'aimants et moins de fils, hein, mais de faire des fils plus compacts, on va dire petits comme ça, et un plus gros aimant. Et après, il suffirait de faire juste des trous. Et l'idée, c'était de faire des trous autour du champ et d'enterrer tous ces aimants-là. Ce serait moins de travail que d'installer tous les fils. Et alors, l'idée... Après, c'est pas venu tout de suite comme ça, hein, mais disons, j'ai appliqué ça. Et après, j'ai eu des tournesols géants avec des... Hein, c'était déjà une variété grande, hein, mais les têtes étaient aussi géantes. Ils étaient comme ça, hein, plus de 50 cm de diamètre. Hein, et c'est ça qui compte, hein, pour la récolte, on va dire. Et ça, c'est devenu ça, hein, cette antenne-là. Et donc là, j'ai un gros aimant dedans, une plaque de cuivre, une plaque de zinc, parce que chez Christoffleau, il utilise aussi du cuivre et du zinc. Et j'ai fait une spirale. Donc au lieu, il y a un petit fil, on va dire, mais si on le déroule, ça fait plus de 50 cm. Hein. Hein, donc en spirale comme ça. Et ça, ça fait une sorte d'antenne. Et alors ça, je l'enterre tout autour du champ nord-sud, hein, bien orienté aussi comme ça, par rapport au champ magnétique terrestre. Et après, ouais, on va dire que je ressens un peu les énergies comme un sourcier, je trouve l'eau et des choses comme ça. Je me fais guider, je fais avec les baguettes
comme un sourcier qui chercherait l'eau, je demande où c'est le mieux de poser ses antennes et je fais comme ça le tour du champ. Alors, je suis mes intuitions d'une certaine façon et je mets ça. Et alors j'ai eu tel résultat, regardez, vous verrez. Donc je l'enterre comme ça, hein. Vous voyez, dans des trous, hein. Mais alors je l'enterre assez profond, parce que là ça peut être très profond, que même si l'agriculteur il laboure, ben, que ça bouge pas les antennes de place. Ça fonctionne à l'intérieur du champ, pas sur les voisins, non? Oui, ça fonctionne à l'intérieur du champ. Ça va pas sur les voisins, non. Mais c'est intéressant parce que c'est une question que je vais poser aussi. Et à un moment donné, un agriculteur, il a semé des carottes à côté du champ traité. Et on voyait vraiment un gradient, hein, même la hauteur du feuillage des carottes et de la récolte. Déjà, à 2-3 mètres, c'était déjà beaucoup plus petit que près de la limite du champ. Donc, c'est assez mystérieux parce que le champ magnétique de juste l'antenne, il va rayonner tout autour, mais quand même, ça a un effet. Il y a des choses assez mystérieuses. Hein. Ça a un effet vraiment qu'à l'intérieur du champ. C'est ça qui est aussi mystérieux. C'est que là, je le mets vers le sud, là. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Mais normalement, c'est illogique. Hein, mais là, pour cette technique-là, je mets l'antenne, là, le sud magnétique, vers le nord magnétique de la Terre, et c'est donc vers le sud géographique, comme ça. Ouais. Ouais, donc je le mets à l'envers par rapport à cette technique-là. C'est différent. Mais le champ magnétique est aussi dans le même sens. Hein, mais c'est le fil, l'antenne, qui est dans l'autre sens. Pourquoi vous avez choisi de faire comme ça ? J'avais essayé comme ça, ça avait marché. Du coup, je fais toujours comme ça. Voilà. Mais peut-être ça fonctionnera mieux dans l'autre sens, faudra essayer. Mais c'est des essais, c'est du temps, mais c'est comme ça que ça a marché. Et quand on a une formule gagnante, faut la garder. Parfois, quand on change des petites choses, après ça fonctionne plus, même en pensant bien faire. Il y a des mystères. Sur un hectare, j'en mets environ 36. J'en mets un tous les 12 mètres. Ah, ça fait sur un hectare ou un hectare et demi, ça fait un après-midi de travail. Mais après, une fois que c'est mis, c'est pour toujours. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est un peu spécifique où je dois moi intervenir parce que voilà, je sais comment faire. Si il faut que je forme des gens pour qu'ils savent aussi le faire. Que les autres techniques, juste un petit mode d'emploi, vous savez comment faire, c'est simple à faire, vous voyez. C'est aussi pour ça que j'ai développé d'autres techniques pour que ce soit plus utilisable par tout le monde, parce que ça, c'est pas utilisable par tout le monde. Donc, je continue. Vous voyez, ça, c'est un champ de choux. J'ai eu des antennes, ça a commencé à pousser beaucoup plus vite. C'était bien 3 semaines à 1 mois en avance sur la date de récolte. Hein. C'était en 2009. Ouais. Et ça, c'est un champ de choux qui a été planté à quelques jours près, où j'ai rien fait. Et vous voyez, ça a poussé beaucoup moins vite. Hein. Ça, c'est ici en Alsace, près de Aerstein. Et c'était chez un agriculteur en biodynamie. Ça aussi, j'ai remarqué chez les gens qui sont déjà en biodynamie, souvent, il y a plus de résultats qu'en conventionnel, parce qu'on est déjà dans une démarche plus respectueuse de la nature et que je fais cette technique pour aller dans le sens de la nature, je dirais. Hein. Donc, il faut être un peu cohérent. Mais ça fonctionne aussi chez un agriculteur conventionnel, hein, s'il est dans cette démarche, hein, d'une certaine façon. Par exemple, avant, il n'avait que des petits choux. Son problème chez lui, c'était que depuis des années, ces choux, ils avaient tendance à monter en graines dès la première année. Et à rester assez petit. Et alors, moi, j'ai abordé la question de façon énergétique. J'ai pas regardé la question en grès et tout ça, non, j'ai regardé la question de façon énergétique. Et je me suis dit, voilà, quand on a plus d'ondes cosmiques, plus de lumière, souvent les plantes, ils font plus
plus vite des fleurs et des choses comme ça. S'il y a plus d'énergie tellurique, comme sur un volcan, souvent les plantes sont plus trapues, sont plus gros. Et là, il y avait un problème de soi-disant mauvaises herbes, d'amarantes. Et ces amarantes, ils poussaient jusqu'à 3 mètres, après, ils devenaient immenses. Et en dessous des feuilles, ça faisait du rouge. Et le rouge, c'est la couleur tellurique de la terre, hein, du sol. Il y a les sols qui sont bruns, rouges. Le ciel est bleu. Vous voyez, ce n'est pas un hasard, c'est des règles dans la nature. Le bleu, c'est plus cosmique, on va dire. Et donc, si on veut augmenter l'énergie tellurique, ben, la plante, c'est comme l'histoire des plantes bio-indicatrices. Hein, il y a un atelier, un stage après aussi, sur les plantes bio-indicatrices. Ben, c'est très intéressant. Mais là, moi, j'ai regardé ça de façon énergétique. C'est intéressant de regarder les plantes bio-indicatrices aussi par rapport à leur symbolique, leur fonction, à quoi ils servent et tout. Parce que si une plante pousse sur un lieu, ben ça correspond au lieu. Vous voyez, c'est que c'est pour soigner le lieu. C'est que, et donc, si on amène cette énergie d'une autre façon, la plante, après, a moins besoin d'exister et elle disparaît d'elle-même. C'est comme ça que c'était mon approche. Et effectivement, dès que j'ai mis les antennes pour augmenter l'énergie tellurique, parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'énergie cosmique, pour équilibrer, ben, dès la première année, il n'y avait quasiment plus d'amarantes. Il y en avait beaucoup moins. Pourtant, on nous dit, ah, les amarantes, ça fait plein de graines, après, t'en seras envahi, t'en auras encore plus. C'est faux. Il y a toujours plein de graines dans le sol. Toujours plein de plantes. Mais pourquoi c'est telle plante qui va germer et pas une autre? Vous voyez, c'est ça la question. C'est pas qu'une plante fait beaucoup de graines et que ça va disséminer partout, ça ne déroge pas. C'est pourquoi c'est de la pousse et pas une autre. C'est que les conditions sont idéales pour cette plante et que cette plante apporte un plus par rapport aux besoins du terrain d'une certaine façon. Mais on peut l'apporter de façon différente, ce plus-là. Et donc, du coup, tout de suite, les choux, dès la première année, ils étaient 6 à 9 kilos au lieu de 2 à 4 kilos qu'ils étaient avant. Voilà. Et après, voilà, ça toujours. Et d'une année à l'autre, ça va de mieux en mieux. Et ce qu'on remarque souvent aussi, c'est qu'avant, quand on coupe un chou, il est coupé, à quelques rares exceptions, il ne repousse pas tous. Mais au plus on a d'énergie, au plus il repousse. Et après, surtout son chance, tout repousse. C'était même un peu perturbant. Et après, j'ai fait sur un sol sableux, ça c'est près d'Angers, le même résultat. Regardez là, des tournesols, ça c'est chez un maraîcher près d'Angers, hein, qui fait un map aussi. Vous voyez des tournesols, mais ça c'était la variété normale, mais qui faisait aussi des têtes immenses. Donc ça confirmait que ce n'était pas juste la variété. Et ça c'est intéressant aussi, c'est que quand on va travailler avec ces énergies, qu'on ait telle ou telle variété, c'est pas si important. Ça, c'est, on va dire que ces énergies, c'est comme si ça va stimuler, réveiller des caractéristiques anciennes de la plante et ça va, et la plante va s'adapter beaucoup plus vite au terrain. Hein? Que la plante, quand on nous dit, par exemple là, la rhubarbe que vous voyez là, regardez, immense. Les années d'avant, sa rhubarbe restait toujours petite, depuis des années. Et les gens disaient, ah, c'est le terrain qui ne convient pas à la rhubarbe, ou c'est la variété de la rhubarbe. Ah, moi j'ai dit, on verra bien. J'ai mis ça en place, et vous voyez, dès la première année, c'était des immenses rhubarbes. Et pourtant, depuis des années, ça restait toujours petit. Ah, il a même pu récolter plusieurs fois dans l'année, sa rhubarbe. Donc, c'est assez impressionnant, parce que ça va à l'encontre de plein de croyances qu'on a. Ben, ça montre bien que toutes les croyances qu'on a de comment fonctionne l'agriculture, ben, c'est que des croyances, hein. Ce n'est pas forcément la réalité. Il ne faut pas confondre la carte ou le GPS avec la réalité. Même si la carte est intéressante, hein, ben, la science, c'est ça. Il ne faut pas confondre toutes les connaissances scientifiques avec la réalité. La connaissance scientifique, c'est quoi ? On a observé la nature, on a essayé de trouver des formules qui décrivent un peu ce qui se passe, et après, maintenant on est au point où on ne regarde plus la nature, mais on va penser que c'est les formules qui disent tout sur la nature. Non, ça correspond juste à notre état de conscience
de comment on a, de ce qu'on a vu dans la nature et ce qu'on a mis en formule. Mais ce n'est pas toute la réalité. Par exemple, les carottes aussi. Avant, il n'avait que des petites carottes d'environ 50 grammes. Et après, il a eu des carottes d'un demi-kilo jusqu'à plus d'un kilo. Hein, et aussi avec beaucoup de goût et de saveur. Là, c'est juste un traitement film, magnétique. Oui, ça, c'est juste ça. La seule différence avec les anines avant, c'était que j'ai mis ça. Ouais. C'est avec ça que j'ai eu les plus grands résultats. Ça augmente l'énergie. J'avais fait ça dans cette optique-là. Mais en réalité, ça équilibre. On va dire que c'est un peu... C'est inspiré aussi de ça. Vous avez vu l'évolution. D'abord, il y a les antennes paratonnerres. Après, il y a les antennes paratonnerres avec des fils reliés. Après, c'est un fil vers le nord. Après, l'antenne est modifiée et elle est enterrée avec des fils. Et après, le fil est raccourci et ça devient ça. Vous voyez, s'il y a une évolution logique. Mais si on montre ça, c'est un peu comme si on montre une Ferrari à côté d'un cheval. On ne comprend pas le lien. Mais... Il y a un cheval, après il y a une calèche derrière, après au lieu du cheval on met un moteur et après ça devient Ferrari. Ouais. Vous voyez, il y a une évolution technique. Vous pouvez utiliser ça pour harmoniser les maisons aussi ? Oui, il y en a qui me demandent, mais je n'ai jamais utilisé pour ça. Mais il y en a qui disent que ça pourrait être utilisé. Je vais vite voir. Oui. Ce qu'on remarque souvent aussi, c'est qu'il y a plus de biodiversité qui apparaît. Ça, c'est un témoignage qui revient souvent des maraîchers qui utilisent un peu l'électroculture. C'est qu'ils remarquent qu'il y a des plantes, des insectes qui apparaissent qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ça, c'est intéressant. Les oiseaux aussi. Après, au niveau énergétique, il y a des choses qui se passent. Par exemple, ça, c'est un champ où j'ai mis des antennes. C'est aussi ici en Alsace. Et ça, c'était ma voiture dans le temps. Et là, vous voyez les autres champs autour. Et ici, les antennes, je les ai mis là comme ça. Et on voit bien que la neige a quasiment tout fondu sur le champ où j'ai mis des antennes. Il y a quelque chose qui peut-être, c'est un peu comme quand on stimule la vie, la neige aussi fond plus vite. C'est peut-être ça. Voilà. Et il y a des choses qui se passent. Ah, ça, c'est intéressant. C'est un inventeur suisse, lui, là. Il mesure comme les champs électromagnétiques des plantes, des légumes, des fruits. Il y a comme on a un champ électrique, on va dire, et après là-dedans, il mesure plein de fréquences. Et alors, ça donne une sorte de spectre de fréquences. Et par exemple, ça vous donne une idée des différences qu'on peut avoir. Quand on a un légume, on peut avoir deux légumes qui paraissent identiques, mais énergétiquement, ils peuvent être, ou électriquement, ils peuvent être complètement différents. Par exemple, là, un plant de tomate conventionnel, un plant de tomate bio, et ça, c'est un plant de tomate malade. Ah, voilà, ça vous donne ça. Ça change un tas de choses dans ces fréquences que ça émet. Voilà. Et quand on mange aussi de l'énergie. On ne mange pas juste la matière, non, on mange de l'énergie. Hein? Par exemple, s'ils font un steak chimique purement avec du pétrole, ils peuvent faire maintenant des choses qui sont très similaires, identiques, qu'on ne peut même pas faire la différence entre le vrai et le chimique. Ça peut se manger, on survit, on va dire, mais ils remarquent bien que quand on mange ça trop, on ne va pas bien, parce qu'il y a une dimension de la vie. Déjà, toutes ces énergies, il n'y a pas. Hein, ça peut comment entre un corps mort, un corps vivant, ou entre un fruit passé dans le micro-ondes ou pas, c'est tout à fait différent. On est des corps énergétiques. Ah, on est aussi de l'énergie. Hein. Comment ça s'appelle le système? Ça s'appelle le bioscope. Ouais, ouais. Bon, on avait fait des tests avec lui, avec l'ITAB, l'Institut Technique d'Agriculture Biologique en France. Et on avait pris, je pense que c'était une cinquantaine d'échantillons de blé de un peu partout en France, des conventionnels et des bio. Et à l'aveugle, il a pu déterminer lesquels étaient de champs bio et lesquels étaient de champs conventionnels
rien qu'en étudiant les fréquences émises par ces blés. Donc c'est assez intéressant, même des blés de différents sols et de différents lieux. Donc c'est très intéressant. C'est une technique assez pointue, hein. C'est pour la recherche pour l'instant, mais c'est très intéressant. Ça, c'est les recherches de John Burke dans les années 90. Il a étudié des anciennes structures comme des chambres faites de roches. Et il a observé qu'il y a des champs magnétiques, il y a des perturbations électromagnétiques là-dedans. Il y a des différences de champs électriques et magnétiques à l'intérieur de ces champs par rapport à l'extérieur. Ce n'est pas juste un tas de roches, hein. c'est un tas de pierres. Ça a été fait avec une certaine intention, on ne sait pas quoi. Officiellement, les archéologues disent que c'est des abris pour les bergers. Mais ce n'est pas logique, parce que souvent c'est dans des forêts, c'est dans des endroits qui ne sont pas propices à l'élevage. Et alors lui, il a eu l'idée de mettre des semences de maïs dedans, à certains endroits où il avait mesuré ces perturbations électriques. Et il a mis 40 grains de semences, 75 minutes, dans une de ses chambres, et après il a fait pousser, il a comparé la récolte entre le lot témoin et le lot traité. Et vous voyez la différence, ça c'est le lot témoin et ça c'est le lot traité. On voit déjà que les épis sont beaucoup plus grands et il y en a beaucoup plus. Et il a testé aussi sur les pyramides. Donc il a mis des semences sur cette pyramide, c'est une pyramide au Guatemala. Et là pareil, vous voyez le taux de germination. Ça, après 11 jours, il y a beaucoup plus de maïs qui ont germé là que là. Oui, ça, c'est le groupe témoin. Et il a remarqué que ça fonctionnait mieux quand le temps était très électrique, par exemple en temps orageux, en temps, par exemple, toutes les antennes aussi, pareil. Hein. Quand le temps est très électrique, il y aura beaucoup plus d'effets que si c'est des temps très calmes, pas de vent, ou très calmes, sans activité électrique dans l'air. Mais électricité, ça veut aussi dire, par exemple, l'activité solaire. Quand il y a des explosions solaires, des taches solaires, ça influence aussi l'électricité sur Terre. Il y a aussi plus d'effets. Vous voyez ça? Ça peut expliquer des notions comme on trouve en biodynamie, où il y a l'influence des planètes, des choses comme ça. Ça influence le magnétisme et l'électricité sur Terre. Et donc, toute la vie sur Terre, si on le voit comme ça, c'est assez logique, hein. Donc ça, c'est par exemple un grec, Dr Pappas. Lui, il vit encore, lui, il fait ses recherches encore. Lui, il fait ça pour faire un appareil pour traiter l'humain. Hein. Mais par exemple, quand il fait un champ magnétique très haut voltage, ben, quand il traite les semences, ben, vous voyez, les haricots, ils germent beaucoup plus vite. Il y a plus de racines aussi. J'ai aussi fait... Ah oui, et lui... Ça, c'est très intéressant. Lui, il dit qu'en réalité, ces champs magnétiques et électriques sont très importants pour donner une certaine énergie aux plantes et aux bactéries et au sol pour stimuler un tas de réactions chimiques. Mais ce n'est même pas des réactions chimiques, c'est des réactions de transmutation, qu'il appelle ça. C'est qu'un élément, il y a eu des recherches comme ça dans le monde, un élément peut aussi se transmuter dans un autre élément, comme ça se passe dans les centrales nucléaires. Et lui, il dit, c'est un peu comme avec la lumière, on a l'habitude de la photosynthèse, que voilà, le chlorophylle va capter cette énergie ondulatoire de la lumière et transformer ça dans des molécules de stockage d'énergie qui seront après utilisées dans la plante, et qui vont après transformer le carbone en sucre, etc. etc. En réalité, il y a un tas de processus. Mais il n'y a pas que les ondes de la lumière, ça on le voit. Mais comme on a vu, il y a un tas d'autres ondes. Il y a les ondes Schumann, il y a des champs électriques de la Terre. On vit continuellement là dans un champ électrique de 300 000 volts. Là, c'est pas anodin. Hein, à 100 000, à 300 000. Donc tout ça influence la vie. Et après, lui, il explique tout ça. C'est un professeur d'université, hein, en Grèce. Ben, il explique que les plantes, il y a une certaine logique intéressante. Il dit que les plantes, ils transforment le potassium en sodium, en utilisant l'oxygène aussi et la stimulation électrique, ces énergies électriques. Et
Donc il transforme le potassium en sodium. Et un animal, il dit, un animal fait l'inverse. Lui, il va transformer le sodium en potassium. Et c'est relativement logique dans le sens que, par exemple, quand on fait de l'euthanasie d'animaux ou de l'humain, on lui injecte du potassium. Parce que ça, c'est un déchet pour un humain. C'est très toxique. Mais quand on a trop de sel, trop de sodium, on a beaucoup plus d'énergie. Notre cœur, il bat à fond, on a notre pression qui monte, on a beaucoup plus d'énergie. Même très peu, hein, il faut très peu de sel. Et les plantes, c'est l'inverse. Un peu trop de sel, hop, ils meurent. Mais du potassium, là, ils poussent. Vous voyez, ils ont plus d'énergie. Vous voyez, il y a une certaine logique. Et lui, il explique ça par les champs électriques aussi. Ça, c'est tout simple. Je me suis intéressé au sort des abeilles parce que dans les médias, on nous dit « Ah, les abeilles disparaissent, etc. Il n'y en aura plus, la fin de l'humanité. » Mais on peut aussi aider les abeilles. Par exemple, il y a eu des apiculteurs qui se soignaient, par exemple, avec des aimants. Il y a un apiculteur comme ça dans la région parisienne. Il soignait ce dos avec des aimants. Ça lui faisait du bien. Il disait, alors il s'est dit, je vais une fois essayer de mettre ça sur mes ruches. Et alors, il a mis deux petits aimants sur ses ruches. Et après, il n'avait quasiment plus de pertes d'abeilles. Donc, il avait un grand taux de survie des abeilles chaque hiver et quasiment plus de pertes. Donc, ça, c'est intéressant parce que il y a toujours le problème des pesticides, de l'électrosmog, de l'intoxication des abeilles. Mais quand on fait ça, il y a moins de problèmes. Voilà. Il avait quasiment plus de pertes. Pourtant, ça n'a pas changé les champs qui sont à côté de chez lui. On peut aussi faire ça. C'est de mettre en plus un fil de cuivre à l'entrée. Et ça peut s'expliquer un peu rationnellement dans le sens que le cuivre, les ions de cuivre ont une activité très bactéricide. Et le varroa, le parasite principal des abeilles, il ne supporterait pas le cuivre. Et quand les abeilles vont marcher au-dessus du fil de cuivre, ils rentrent, ils sortent, ils emmènent quelques ions de cuivre, c'est pas beaucoup, mais ça peut avoir une grande influence. Vous mettez par exemple un bout de fil de cuivre dans votre bouche, vous sentez tout de suite le goût du métal. Pourtant, il y a presque pas de molécules ou d'ions qui sont passées. C'est pas la quantité qui est importante, mais les apiculteurs qui l'utilisent, ils disent qu'ils ont des très bons résultats, qu'ils ont quasiment plus de problèmes de varroa, rien qu'en mettant un bout de fil de cuivre. Et nord-sud ? Oui, je conseille de mettre nord-sud. Maintenant, ça fonctionne aussi n'importe quelle direction. On va dire qu'un aimant, il va rayonner environ sur 1 mètre. Et c'est comme si ça fait une bulle. On pourrait peut-être le voir comme ça, comme une bulle magnétique qui va protéger de l'électrosmog ou des influences extérieures. À ça, les abeilles sont plus actives, elles sont plus travailleuses. Et en général, ils font plus de miel et il y a moins de maladies. Voilà, je vous dis un grand merci pour votre écoute et attention. J'espère que ça vous a plu.